Et vous le voyez, nous sommes à Magny-Cours pour la quatrième manche du championnat de France Superbike 2014. Les meilleurs moments de cette première journée du samedi de Superbike et de Supersport, c'est tout de suite. Essayer de garder un rythme régulier en 44 régules, je voulais surtout pas descendre plus bas, je crois que j'ai fait un 45 et pour essayer de travailler un petit peu pour la manche de mondial que je viens faire en fin d'année ici parce que ben en course il faudra que ça roule 42 là-bas donc j'ai essayé d'être régulier même avec des pneus usés parce que normalement on n'aura pas d'antipatinage pour la course la prochaine fois donc j'ai essayé de jouer un peu avec ça et économiser mes pneus et non je pense que c'était une bonne course, c'était un bon entraînement et j'ai roulé vachement avec ma tête quoi, j'ai beaucoup réfléchi sur mon pilotage pendant la course pour faire le mieux possible. Je pense qu'on a fait une belle course, même si c'était très compliqué dès le départ, parce qu'on est parti en slick et au final il s'avérait qu'au virage d'Adélaïde et du Château d'Eau c'était mouillé. Donc tout le monde a tiré un peu tout droit, donc j'ai préféré rester derrière, laisser Axel devant pour justement voir ses pneus si ça séchait. Et quand j'ai vu que c'était sec, je suis passé devant et j'ai imprimé mon rythme. Seb s'est accroché un petit peu, mais bon j'avais une petite demi-seconde sous la main et dès qu'il revenait je remettais un petit coup de collier et je crois que je dois m'imposer avec 4 secondes d'avance. Donc on va dire que le week-end commence bien et on verra dimanche en fonction de la météo. Thank you.